Eh bien, salut à tous l'équipe CCKR, j'espère que vous allez bien, en tout cas pour ma part ça va nickel. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo après la fuite des défis de la semaine 9 qui sortiront le 28 novembre 2019. Ils s'intituleront Grand Plongeon, je vais vous mettre ça directement en fond d'écran pour pouvoir décortiquer de tous les défis qu'on aura à réaliser pour finir cette semaine ensemble, sachant qu'il y a des défis plus ou moins difficiles à réaliser. J'avoue que cette semaine sera un peu chargée en défis pour les plus aguerris de Fortnite. Donc je vous mets ça tout de suite en fond d'écran et regardez, on va décortiquer tout ça ensemble. Alors pour le premier défi, on aura infligé des dégâts à des ravitaillements encore au l'air. On aura encore 200 de dégâts à faire sur des ravitaillements. Donc ça, ça a l'air d'être assez simple quand même à réaliser. Pour le second défi, on aura éliminé des adversaires à Hydro 16 ou Holy Age. 3 éliminations, ça reste aussi assez faisable et assez facile. Pour le troisième défi, on aura fouillé des ravitaillements en moins de 10 secondes après son atterrissage. Donc ça, c'est facile en 50-50, je ne sais plus comment il s'appelle déjà. Le mode, donc ça reste assez simple, faites gaffe parce qu'il y aura beaucoup de gens qui vont sauter, je pense également, sur les ravitaillements. Réussir, pour le quatrième défi, on aura réussir des défis nager chronométrés à Lazy Lake et à Hydro, donc on en aura deux, Lazy Lake et Hydro, donc ça je vous ferai une vidéo à part pour vous faire montrer où sont les défis chronométrés. On aura réussir des éliminations sans regarder le viseur. Pour le huitième défi de cette semaine 9, on aura fouillé deux coffres à moins de 30 secondes d'intervalle. Donc ça va être assez simple aussi. Dès que vous atterrissez, bah tu sais, sur des maisons, t'as un coffre sur le toit normalement, dans le grenier, et t'as un coffre aussi comme à Salty Spring, juste au-dessus du garage. Normalement, c'est assez simple à faire dans les petites maisons, même à Pleasant Park. Donc ça sera pas très très dur à réaliser. Donc pour le 9e défi, on a collecté 300 de bois à moins de 30 secondes après avoir atterri du bus. Donc dès qu'on atterrit, vous prenez 300 de bois et normalement vous collectez directement. C'est mieux que c'est la semaine dernière ou il y a 2 semaines, il fallait viser directement les points bleus d'affilée, il fallait en faire 5. Ça c'était assez compliqué pour les gens qui avaient du mal ou qui jouaient sur téléphone. Donc après pour le 10e défi, on aura infligé des dégâts avec 2 armes différentes en moins de 30 secondes. Donc ça, en mode 50-50, ça va être aussi assez simple à réaliser. Et pour le dernier défi de cette semaine, nous avons trouvé la lettre E cachée dans le fond de chargement. Alors, je ne sais pas du tout si ça a fuité. Je vais me renseigner un petit peu sur Internet. Et je vous tiendrai au courant, les amis. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à anticiper les défis. Et que la paix soit sur vous. À plus tard.